Financière, mais surtout votre participation effective à la caravane. Je suis membre de l'association, donc j'ai... Vous êtes les bienvenus. Je sais que vous êtes acquitté à votre carte. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, on a été très touchés par, ce geste de solidarité que vous avez fait en Guadeloupe. Bababé, c'est une ville d'accueil. Mais être accueilli aussi à son tour, c'est quelque chose de très important. Et je pense que ça nous a touchés tous. D'abord, nous, les professeurs de la santé, qui sommes très touchés par ce geste. Mais aussi, on l'a voulu partager avec toute la ville de Bababé. On dit qu'il y a des gens, via des amitiés, des relations qu'on a entre des amis, qui arrivent à montrer aussi leur un geste de solidarité, et nous vous en remercions très sincèrement. Mais attendez, moi j'aimerais premièrement vous dire tous ici, en particulier le président de cette association, ce docteur Barasson, et ces vaillantes femmes qui sont là, que je suis de ceux qui aiment la vallée, c'est important. Et donc j'ai sillonné toute la vallée. Et je connais aussi le Lao, je le connais. Et de ce fait, j'ai vu que cette association travaille. Et pour la soutenir, je suis venu voir, premièrement en tant qu'adhérent, je suis adhérent de cette association, et je sais que cette association peut faire beaucoup de choses, non seulement par rapport à Bababé, mais aussi pour tous les villages environnants et peut-être pourquoi pas d'autres départements de l'Angleterre. Parce que c'est un exemple à suivre et je suis honoré aujourd'hui par cet accueil. Je ne suis qu'un simple membre de l'association, mais vous me faites des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Je vous remercie infiniment et je sais que cette association aura de l'avenir, Inch'Allah. Et je tiens ici, malgré que c'est un événement, disons, important, mais j'aimerais ici dire que Bababé,
a perdu un illustre homme, un grand intellectuel, une grande personnalité, qui est un ami. Ce jour, c'est présenté à Baba Bé, à tous ses amis, à tous ses parents. Je sais qu'il a une estime particulière, non seulement ici, mais dans toute la Mauritanie. C'est en voyant tout ce que l'élan de solidarité qu'il a eu lorsqu'on a appris qu'il était malade. Et après son décès, Rahmatullahi Alayh, c'est une grande personne qui est partie. Rahmatullahi Alayh. Merci. Je voudrais aussi. Oui. Donc, honorable, vous êtes la bienvenue en tant que la mairie, donc la commune, vous êtes la bienvenue au nom du maire de Baba Bé. Donc toute la commune, vous êtes la bienvenue à Baba Bé. Et vous n'êtes pas aussi un étranger ici, c'est chez vous. Et encore l'association que vous avez adhérée, c'est la commune même qui l'a soutenue. Le maire a toute sa vision sur cette association qui ne termine pas de faire beaucoup d'efforts pour cette ville et les villages environnants. Toute la commune et même tout le département vraiment est derrière cette association. Et nous sommes derrière vous en tant que vous soucier de cette association qui fait mieux, qui fait beaucoup pour nous. Donc on vous souhaite la bienvenue chez vous. Je tiens ici à vous parce qu'il a parlé du maire avant mon arrivée, j'ai été en contact et M. Blé, donc c'est ça vraiment son nom pour moi. Donc c'est un ami et il m'a parlé beaucoup de l'association et il m'a dit tout ce qui la soutient. Et de ce fait, c'est vraiment ce qui parle de la ville et des autres aussi, que ce soit à l'Ukraine, tous, j'ai des contacts avec eux, on a parlé avant de venir ici, c'est des doyens pour l'Ukraine. Ils sont très fiers de ce que fait M. Alasson. La mairie, je sais que le maire est un homme très fort pour travailler en Mauritanie, c'est un homme de développement. بسم الله قول هيمه كبيره بسم الله ما اقول هي هيمه صغيره بسم الله قول هيمه نياتي مولي هيمه كبيره صغيره يا كل هيمه كبيره بسم الله اقول هيك بابا بسم الله انتصر بابا بسم الله انت بابا بسم الله Qui est venu au nom de toute la ville, de vous appuyer. C'est le vice-doyen, il a 92 ans.
il a tenu à faire le déplacement, Machallah. Et c'est vu, malgré leur maladie, ils ont tenu à venir quand même. Mais moi je vais me photographier avec eux. Ah ouais. Parce que moi je suis avec vous, les gars. Non, c'est ça. C'est des actes qu'ils font, des actes qu'ils font pour cette vie. Et ces actes ne peuvent pas être pris. Et ils ont tenu à honorer leur autorité physique dans le déplacement. Machallah. Nous sommes tous des. Allez, mais ça, pour ça, je vais vous photographier avec elle. D'accord. Babi. En tout cas, nous félicitons beaucoup le peuple médical de Bahavé. Et au nom de la ville de Bahavé, c'est par ici que je suis au nom de la ville de Bahavé et au nom de son chef de village et de l'ensemble des vieux, des jeunes, des femmes et de l'ensemble de la commune, en tout cas de cet acte social et qui ne cesse de se répéter chaque année depuis un certain temps. Et ce qu'ils font va tout droit au cœur de la population. Et nous les encourageons pour les féliciter. Et nous lançons un appel aussi au gouvernement pour les aider dans cette action. En tout cas, ce qu'ils font est extrêmement intéressant. Machallah. Je vous remercie. Tem badi ni mo doyen ko sedan tagal heptinde golle mako payidinde de wadi doyende be badu me mawdo wuro ngo gardo inde mawdo wuro ngo pour rekudo o do gorko teddu mo ganda hoore ma badu jungu mum e kollal gal bibbe babo nak madi doyen dum non kollire gal do sedan tagal teddu gal wona neddo fo way dan jekede badi ni ko weltare hande o do jam ko weltare hande o do kikidi ko weltare hande o do subaka besku baba binabe baba indema Ablaye Ba holno jirda hande sukabe ma be ganda ko non jibil dum en jangina dum en galti e ngarti do en mbadi gollal payde gal ha o do gorko kadi wadi sababu goto e mabbe woni docteur Ba Khasim musido makko teddima wadi gollal payde gal ha adna fo ene daro hande ene manta mo holko bawda halbe hen baba ibin jago Allah mo do dige mo do yalla no dum yes kadi min beltini belto gol ko do ndewa e habbe kadi mo do sabu ji Allah no dum yes amin be do suka bi Allah hokku be tellal amin Allah humtu haaju ji mabbe amin be do boy nafti ji leydi ni amin be boy nafti ji leydi ni kadi min defti mo fiyewi defti mo fiyewi kadi particulièrement Ablaye Bou ko mo do leydi ni ko boy do ro ko mo do diwar mais do khasum ba ko do fabrication mo wala do dum bilte ha to do bay kadi go nyaago Allah mo yo Allah dum balde mabbe kam dum mo dum batte mabbe kadi yo be tin ngel wayi wadde hunde ko do wayi wadde de de gol da su adu sel adu wayi wadde hunde wat ko jidu mo ko gas hadi mo gas wadde ko le jodi dum nyaago Allah mo yo non gas ni Allah dum dum ba jusi Allah mo yo batte de dum to haajuji di yo be tinno ko mabbe tinno be sun gube tinno e leydi kadi ko min jago Allah mo yo Allah dum haajuji Allah jaro ko Bismillahirrahmanirrahim moi je n'allais dire à tout portable pour vous aider les voyants ici les voyants du village que je suis très honoré par cet acte le fait qu'ils viennent ici prennent le temps, vraiment malgré leur âge, de venir vraiment me saluer et s'associer à nous, à cette association, pour me dire vraiment leur soutien. Et il y a un adage chez nous qui dit, et je crois bien même que ça doit être, disons, le hadith du prophète, restera toujours en paix tant que ces jeunes respectent ces vieux et tant que ces vieux aussi donnent des gens de soutien à leurs jeunes. Ça, c'est un très grand soutien. Je trouve que à d'autres, il est extrêmement important. Et de ce fait, vraiment, je suis honoré de se retrouver avec les Baba. Thank you.
Seydi Ba kadi man gorko mima Seydi Ba tan tabalde bolde bolde yedde be windo mi o sitare mima Seydi Ba kadi man dinja sare jalo hakko banne bolde bolde mima Seydi Ba parke de bande de C'est rapide. Vous êtes biologiste. Ça va. J'espère que les diabètes pas beaucoup de Ça va, vous allez bien. D'abord infirmière du premier état, ensuite actuellement professeur à l'Institut national de la santé. Moi je suis médecin, rapport de médecine du Maroc. Il a eu à travailler avec moi pendant une dizaine d'années. Il est très intéressé aux diabète. Il y a été fort. Et il s'en sort très bien. Où que nous partons, en Mauritanie ou même ailleurs, pour faire le diabète, quand je suis accompagné par lui, j'ai la tête tranquille. La seule chose que je regrette, c'est qu'il est un peu loin de moi maintenant, parce qu'il faut pousser à Célibabi, où qu'il se trouve, il faut que j'ai le déniche pour partir avec lui. Il y a l'école là-bas. Mais indépendamment de ça aussi, c'est un infirmier qui a fait des urgences en cardiologie. C'est vraiment des prototypes du technicien bien formé et consciencieux. Bon, moi, comme je vous l'ai dit, je suis docteur par le CNF, je suis d'abord médecin généraliste. Je suis formé en diabétologie et en hypertension générale. Je suis administrateur, je suis un médecin, je suis un médecin, je suis un médecin, je Là, vous êtes là pour le diabète. Le diabète est présent dans le pays et Barabé n'en fait pas exception. En tout cas, la commune, le département de Barabé ou même la sous-région, parce que très souvent, quand nous venons pour des consultations de diabétologie, avant qu'il n'y ait la COVID, d'autres traversaient le fleuve pour venir aussi bénéficier des soins à diabétologie qui avaient été faits. Nous avions eu à recenser jusqu'à une centaine de diabétiques connus. Si on dit centaine, ça veut dire qu'il y a une autre centaine qui n'a pas été vue. Tout comme quand on dit diabète, X est diabétique, il y a 2-3 diabétiques qui n'ont pas été diagnostiqués, qui n'ont pas été vus. Pour des raisons particulières, financières, de distance, voilà. L'entourage aussi. La population mauritanienne, de façon générale, j'ai vu dans le nord du pays, donc la population mauritanienne est très diabétogène. On parle de 6% dans le monde, mais dans le Maghreb, en Algérie, où je participe habituellement au congrès de diabétologie, on parlait déjà de 12%. Donc, une partie de la Mauritanie est aussi nordiste. Bref, le diabète est présent. Il faut que beaucoup de choses soient faites, en tout cas, essayer d'enlever ça. Heureusement, il y a beaucoup de médecins qui s'intéressent maintenant au diabète. Il y a beaucoup de diabétologues, pas mal dans le Grand Europe, les jeunes médecins qui sont venus. Je pense qu'avec tout ça, ça pourra aller. Mais ça ne peut pas aller aussi sans les ONG, parce qu'il faut de la sensibilisation. Le diabète, c'est d'abord la sédentarité. C'est le manger mal. Nous tous, Mauritaniens, mangeons mal, malheureusement. Donc, il faut que beaucoup de choses soient faites. Encore une fois, bienvenue à Babadé, bienvenue dans la Moukada, bienvenue dans le Sud, bienvenue dans ton pays, dans ta ville. Moi aussi, je vous remercie. Vraiment, c'est agréable d'être à côté de médecins qui sont engagés. Les professionnels de santé qui sont engagés pour leur population, c'est extrêmement important. C'est extraordinaire. Vous avez parlé surtout de ce qui attire mon attention, surtout que le fait que cette action ne se fait pas chaque année. Moi, je
faut que cette action soit faite chaque année. En chaque année. Et moi, ici, je suis prêt à toujours aider chaque année pour que cette opération ne s'arrête pas. Parce que déjà une année, déjà, si on ne fait pas deux actions, au moins une action par an est nécessaire. Donc pour vraiment pour venir en aide à ces populations qui sont vraiment nécessiteuses et qui ne peuvent pas partir à Nouakchott, ni à Dakar, ni ailleurs, ni à Ouagadougou. C'est ça, c'est pour remercier encore. Je suis un peu plus de temps. Et on fait les touchés vaginales, on fait le spéculum pour voir l'état du corps. Et la plupart des femmes, des patientes, bénéficient de ça par un examen. Pour le moment, on n'a pas vu de cancer, mais on a rencontré des femmes qui ont des tensions intérieures. Et beaucoup de femmes ont été touchées. Si on n'a pas eu des enfants, on a donné des vivants. On fait ça. Merci. Sudu baba, sudu baba, sudu baba. Tengo ni sudu nene.